Jérôme, bonjour. En fait, je suis passé te voir pour savoir un petit peu ton aperçu, ton ressenti par rapport à la semaine dernière et ce qui s'est passé par rapport aux manifestations, aux deux manifestations, climat et puis gilets jaunes. J'ai eu l'occasion dimanche dernier de le dire sur un plateau. Oui. Dimanche matin, je me suis levé avec la gueule de bois parce que j'avais du mal à mettre des mots sur ce qui s'était passé samedi. Ça a été très très compliqué. Je me suis baladé un peu partout dans Paris pour essayer d'accéder aux champs, chose qui était quasiment impossible. J'ai réussi en milieu d'après-midi. Ça a été très compliqué. Énormément de gilets jaunes éparpillés dans tout Paris. J'ai eu une formule qui est de dire que les flics ont été dégueulassement bons parce qu'ils nous ont empêché d'avancer et de pouvoir se regrouper et d'avoir quelque chose d'uniforme et de massif pour qu'on soit visible et surtout être entendu. Donc ça a été très compliqué samedi. Beaucoup de gilets jaunes se sont rapatriés sur la manif du climat où on voit que les choses n'ont pas été aussi bonnes que ça parce qu'à peine 50 mètres qu'on a parcouru, on a pris plein la conche. Énormément d'enfants ont été gazés, donc ils ont tout fait aussi pour faire peur aux gens à cette manif et beaucoup en sont partis. Donc une journée bien dégueulasse samedi dernier est bien compliquée et ça a démotivé beaucoup de monde et c'est ça ce que les gens pensent, c'est que samedi ils ont été très très bons et qu'on s'est fait avoir. Donc gardons la motivation, restons combatifs et un jour on les récupérera, les champs, quoi qu'il arrive on les récupérera. D'accord, je te remercie Jean. Merci à toi. À bientôt, bon courage. Merci.